Bonjour et bienvenue à l'atelier La régulation émotionnelle pour développer la résilience. Alors, on est vraiment content d'être avec vous aujourd'hui et tout de suite, en commençant, on va vous mettre en action avant même de vous parler. On vous met tout de suite en action et pour ça, on vous demande d'aller sur Mentimeter. Alors, vous voyez à l'écran apparaître devant vous le lien menti.com qui vous, donc vous allez sur ce site-là et ce qu'on vous demande de faire, c'est de répondre à la question. Dans quel état affectif amorcez-vous la journée du numérique en éducation? Alors, on a le goût de vous entendre, on veut savoir comment vous vous sentez. Alors, tout de suite, vous êtes en action. Alors, vous allez sur menti.com, donc vous avez le lien en haut qui apparaît, là, donc www.menti.com, ou si vous avez l'application, vous pouvez ouvrir l'application directement et entrer le code 22 70 18 et 8. Et ça va vous permettre de nous indiquer. Dans quel état affectif vous amorcez cette journée du numérique en éducation? Donc, on veut vous entendre. Alors, on invite les gens. On voit qu'il y a 10 personnes déjà qui ont répondu à notre sondage. Alors, on voit qu'il y a des gens qui sont zen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont plus stressés? Est-ce qu'il y a des gens qui trouvent ça plus difficile? Les sondages commencent à rentrer. Alors, on a ici des gens qui ont même désactivé leur notif. Alors, ça, c'est bon signe. Si vous avez désactivé vos notifs, ça veut dire que vous êtes en plein contrôle, vous vous sentez à l'aise, ça va bien. 16, ah, mais il y a je suis zen, hein? Ça fait du bien une journée où on s'arrête, puis on prend le temps d'accueillir un peu, de recevoir. On est rendu à 18 répondants. Donc, on a 18 répondants qui nous donnent des réponses. Et zen, il y a beaucoup de monde zen, c'est vraiment super. On est vraiment content de savoir que vous êtes zen en ce jour. Donc, 22 participants déjà qui sont avec nous et qui viennent nous dire, aujourd'hui, ce qu'on va faire avec vous, hein, ça va être justement de réfléchir sur ces questions-là du stress, de l'anxiété, mais aussi de comment composer avec le stress au quotidien, parce que nous, comme enseignants, on peut être stressés, comme gestionnaires. Donc, pour comment, les gens qui demandent la consigne, comment répondre au Menti. Alors, pour répondre au Menti, vous allez dans votre navigateur, vous ouvrez une nouvelle page de votre navigateur, vous rentrez l'adresse www.menti.com, et donc, une fois que vous allez rentrer là, on va vous demander d'entrer un code. Alors, vous inscrivez le code 22 70 18 8. Alors, donc, on va vous faire apparaître à l'écran la page. En haut, vous allez voir le code. Vous avez ici, en haut de la page, vous voyez le code qui est là. Donc, vous allez sur menti.com, www.menti.com. Et là, vous allez utiliser le code 22 70 18 et 8. Et ça vous permet de répondre. Donc, on est rendu à 38 personnes qui répondent. Et ce qu'on entend, ce qu'on voit à date, c'est quand même, il y a beaucoup de monde qui sont zen. Mais il y a quand même 19% d'entre vous qui se demandent encore aujourd'hui, hein, on est rendu le 13 novembre, et il y en a plusieurs d'entre vous qui se disent, comment je vais faire pour arriver à tout faire? Hein? Il y en a beaucoup, on est vraiment, il y en a des choses, c'est vraiment stressant. Mais il y en a qui sont hyperactifs, hein, ils ont trouvé des stratégies, ils se mettent à faire plusieurs choses en même temps. Donc ça, c'est des fois exigeant pour le cerveau. Hein? Mais il y en a qui ont trouvé une stratégie efficace aujourd'hui et qui disent, ah, moi, j'ai désactivé mes notifs, ça fonctionne. Donc, je suis capable d'être disponible. Donc, peut-être que vous auriez coché aussi « Je suis zen » parce que vous avez trouvé une stratégie, un moyen pour vous trouver être zen. Vous avez désactivé vos notifs. Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'elle est curieuse. Hein? C'est intéressant. Vous pouvez utiliser le clavardage aussi pour nous dire comment vous vous sentez. Ça se peut que dans les choix qu'on vous offre, vous, c'est pas ça, c'est d'autres choses. Vous pouvez utiliser le clavardage. C'est une bonne idée de venir nous dire comment vous vous sentez. Au-delà de ça, il y a des gens qui apprennent à déléguer, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein, vous voulez être en contrôle, on dirait. Donc, on voit que c'est. Mais il y en a plusieurs qui sont zen. On a 58 personnes qui ont répondu à notre sondage. Mais c'est vraiment très intéressant de vous entendre. Je vais revenir au sondage, mais avant de revenir au sondage, on va aller tout de suite se présenter les personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Moi, je me présente, je m'appelle Benoît Petit. Mon nom, donc, je suis conseiller pédagogique au Service national du récit à l'intention des gestionnaires scolaires. On a aussi avec nous, bien, on a la chance d'accueillir Tina Montreuil. Tina, bonjour. Hey, bonjour, comment allez-vous? Heureuse d'être Oui. là aujourd'hui. Ben oui, Tina, tu peux nous dire un peu, c'est quoi ton travail? Tu fais quoi dans la vie, toi, Tina? Oui, donc moi, je suis psychologue clinicienne donc de formation et je suis également donc professeure au département de psychopédagogie et de counseling de l'Université McGill.
Donc, et ma recherche se centre beaucoup sur la promotion donc de la santé mentale et de la résilience auprès des enfants et des familles. Ah, vraiment très, très, très intéressant. Alors, ça va être vraiment intéressant de t'entendre parce que tout le monde en ce moment on vit du stress, on a des situations pas évidentes à gérer. Alors, peut-être que tu vas pouvoir nous aider, nous outiller. Je vous présente aussi Marie-Soleil, Carole. Marie-Soleil, dis-nous donc ce que tu fais, Marie-Soleil, toi. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce matin avec Benoît et Tina. Je suis conseillère pédagogique au Service national du récit dans le domaine du développement de la personne. En fait, on m'a attitré le dossier éducation à la sexualité. Donc, j'accompagne tous les milieux en termes numériques et éducation à la sexualité. Oui, la mission de Marie-Soleil aujourd'hui, ça va être de vous lire dans le clavardage. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez amener des éclaircissements, il y en a déjà qui l'ont fait jusqu'à maintenant, bien, Marie-Soleil nous achemine vos préoccupations et on pourra les prendre en compte. Bien, ça nous intéresse aujourd'hui. On veut le faire un peu sous forme de conversation. Alors, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Marie-Soleil va prendre le temps d'accueillir ce que vous avez à dire et va nous le transmettre pour qu'on en tienne compte tout au long de l'atelier qu'on va faire, tout au long de l'heure qu'on va être avec vous. Je reviens donc un peu sur notre sondage. Si on peut afficher un peu les résultats, Tina, qu'est-ce que tu as à nous dire sur les résultats? Qu'est-ce que tu observes? Est-ce que tu trouves ça normal, toi, d'un point de vue de clinicienne? Ben oui, hein, en fait, ça représente beaucoup là, ce qu'on observe actuellement. Donc, il y a des gens qui, finalement, demeurent zen en dépit des circonstances. Puis, faut dire aussi que la question, on parle aujourd'hui de la journée, on pose la question aujourd'hui, mais il faut dire aussi, il ne faut pas penser que ça découle seulement de la pandémie, hein, parce que là, c'est un peu comme aujourd'hui, si on s'est réveillé qu'on a un mal de tête, bien, probablement qu'on est un petit peu moins zen. Hein, donc, c'est un peu comme une perspective aussi de comment on se sent de façon plus pointue aujourd'hui. Mais je pense que ça reflète sensiblement là, les résultats là, qu'on est un peu partagé sur la moitié des gens qui se sentent assez bien, puis une répartition variée sur les autres catégories. Dis-moi, Tina, on dit qu'on est en temps de COVID présentement. Il y a différents facteurs qui viennent affecter notre santé mentale dans un contexte de pandémie, mais aussi de retour en classe où on a à gérer, à composer avec une bascule en 24 heures ou avec tout d'un coup un enseignement hybride ou un enseignement à distance. Il y en a même qui sont à la maison puis qui enseignent à leurs élèves qui sont en classe avec un autre adulte qui les accompagne. Toutes ces situations-là de stress là, qui sont là, c'est quoi les facteurs qui peuvent affecter notre état émotif, dans le fond, notre état émotionnel? C'est quoi ces éléments-là? Oui, donc en fait, les éléments qui s'adaptent à toutes circonstances qui sont génératrices de stress, si on veut, et un stress qui demeure constant, chronique et persistant avec le temps, ben ça l'engendre aussi, ça mène à éventuellement une vulnérabilité à l'anxiété. Mais ce qui est propre à n'importe quelle situation de stress et ce qui est marqué actuellement avec la situation donc de pandémie, c'est qu'en fait, on a tout l'aspect de contrôle. Au début de la pandémie, surtout, on était en confinement. Donc, un aspect de contrôle, de liberté qui nous a été retiré. Il y a aussi l'aspect d'imprévisibilité, donc la surgence de pandémie, mais aussi de l'imprévisibilité de toutes les mesures qui sont mises en place. Hein. On voit qu'actuellement aussi, le ministre actuellement parle donc de possibles le calendrier scolaire, encore une fois, avec le retour du congé des fêtes. Donc, beaucoup d'incertitudes hein, aussi. Avec ça, est-ce que ça va finir par finir, cette pandémie-là? Est-ce que, décidément, les enfants vont poursuivre pour l'entièreté de l'année scolaire? Est-ce qu'on va demeurer en contexte scolaire? Est-ce qu'il va y avoir encore des changements? Donc, beaucoup de choses incertaines qui demeurent et qui se continuent dans le temps. Hein. On a peu d'amélioration là. Puis finalement, conséquemment, quand on parlait tout à l'heure du manque de contrôle et du confinement, bien, vient en sorte aussi qu'au plan épidémique, se protéger de la contamination, bien, fait en sorte aussi que ça a eu un impact sur notre socialisation. On est devenu de plus...
Et on sait que toutes ces dimensions-là ont un impact hyper important au plan direct hein, sur la santé mentale, mais également interagissent entre elles pour devenir en fait prédictrices de notre état mental et de notre santé mentale globale. Donc, la pandémie là, nous a donné ce cocktail-là et a joué en ce temps que par moment, certaines situations d'adversité vont peut-être jouer sur une dimension-là. Mais les quatre en même temps, ça, c'est vraiment la pandémie qui nous a confrontés avec cette adversité-là qui est non seulement générale, mais également généralisée au plan de la société globalement. Effectivement, Athéna est vraiment très intéressant. Il y a d'ailleurs Mathieu, puis on va y venir tout à l'heure, hein, qui dit qu'on peut rester zen malgré tous ces facteurs-là. C'est possible de le faire. C'est vraiment vrai. Tu as tout à fait raison, Mathieu. On va d'ailleurs y revenir tantôt, vers la fin, un peu plus tard, dans la deuxième moitié, sur des moyens pour arriver à faire ça. Dans un premier temps, on va vouloir essayer de comprendre. Mais avant tout, il y a quelqu'un qui nous demande comment on fait pour... faire le clavardage. Bien, dans la page où vous êtes, quand vous allez sur le site de la journée du numérique, là, juste en dessous de la vidéo que vous avez, il y a un champ texte ici. Vous écrivez vos questions, vous faites envoyer. Une fois que vous êtes envoyé, Marie-Soleil reçoit vos questions. Elle ne peut pas vous répondre par écrit, mais elle peut transmettre à Tina et moi vos questions, vos commentaires. On peut les prendre en compte pendant notre atelier. Donc, c'est la façon dont fonctionne le clavardage. Mais aussi, s'il y en a qui veulent suivre ce qu'on vous dit en même temps, si on peut afficher la présentation, il y a le lien de la présentation, donc vous pouvez faire peut-être une capture d'écran, quand tout ça, ça va apparaître. Il y a le lien monurl.ca/JNE pour JN, Journée du numérique en éducation, résilience. Donc monurl.ca/JNE, résilience, tout en... en minuscule, pas d'accent. Donc, vous allez avoir accès à notre présentation. Donc, si vous voulez suivre en parallèle, c'est possible de le faire de cette façon-là. Donc, c'est comme ça que fonctionne le clavardage. On va donc aller avancer tout de suite dans nos éléments. Tina, tu veux nous expliquer un peu comment fonctionne? C'est quoi ça, le stress? Ça marche comment? Oui. C'est le mécanisme du stress. Oui, bien, souvent, quand les gens viennent consulter, on vient avec cette notion-là. Je viens vous voir parce que je veux plus vivre de stress. Donc, c'est très commun qu'on fasse la requête d'élimination du stress. Et là, rapidement, on doit corriger la personne parce que, et la courbe de Yerkes and Dobson, qui n'est pas une création récente, on parle de plus de 100 ans, mais elle a été validée au plan empirique de nombreuses fois. Donc, c'est une théorie maintenant qui est très rigide et ferme. Donc, elle est solide, elle est rigoureuse. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en l'absence, si vous regardez le coin en bas ici, ou la pointe, ou du 0-0, ou du 0 en bas ici à gauche, en bas à gauche, c'est que zéro stress veut dire ben la performance, ben, c'est zéro aussi. Hein. Donc, quand je n'ai pas de stress, je ne suis pas beaucoup engagée, je ne fais pas beaucoup d'efforts, je ne suis pas très motivée, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Donc, l'absence de stress, en fait, aurait compromis, si on regarde un plan évolutionnaire, aurait compromis notre bien-être. Parce que chez nos ancêtres, le fait qu'il y avait un mammouth qui arrivait, qu'il y avait un moment de crainte par rapport à un prédateur, faisait en sorte que le stress était ressenti. Et là, tout l'aspect donc, du système parasympathique, sympathique, qui s'active et qui me prépare à l'action, fait en sorte que ça assure que en anglais, on parle du fight or flight, donc soit que je me mets à la tâche et je combat l'adversité, ou finalement. Mais les deux, dans les deux cas, ça l'assure le fait que je survive. C'est évolutionnaire. Donc, le stress, c'est bon en soi. Le stress, c'est bon. Entre autres, le fait qu'on est, par rapport à la pandémie, parce qu'on est un peu stressé, on est un peu inquiet sur le potentiel contaminé, ça fait en sorte qu'on prend au sérieux les mesures sanitaires qui nous sont imposées et on les adopte, on les observe. Donc, ça, c'est important. Ça assure qu'on respecte bien ces mesures-là et qu'on fonctionne aussi au plan d'une communauté. Si, par contre, donc là, mon anxiété par rapport, par exemple, à la pandémie ou par rapport à une situation conséquente de la pandémie devient trop intense, on voit le niveau de stress ici et on voit comme un genre... Oui, c'est ça. Donc, quand ça dépasse un niveau gérable, c'est que là, je tombe non pas dans une gestion adéquate du stress, mais je tombe dans la détresse. En anglais, on dit « stress, distress ». Donc, le stress, il est positif, mais la détresse, elle...
elle engendre elle engendre un impact sur notre fonctionnement. On voit qu'au final, pas d'anxiété, c'est comme pas en avoir, je deviens, c'est ce qui fait que je deviens validée, évitant, je procrastine et je fais de l'évitement au final. Donc, ça, c'est vraiment donc de comment on réagit face au stress. Mais aussi, dans ce diagramme ici, on voit aussi que le cerveau, finalement, qui voit le cerveau tout à l'heure résilient, versus le cerveau qui est un peu plus, tu sais, qui n'est pas en croissance, qui n'est pas adapté, qui est plus limité, lui, il va le percevoir comme une menace. Donc, on a la question de perception. On va en parler de ça. Puis, je pense que Mathieu, d'ailleurs, en parlait sur comment on le perçoit. On demeure zen, tout dépendamment de comment on perçoit la situation. Et ça, c'est très juste. Et on va en parler dans quelques diapos. Mais donc, l'aspect d'une même situation, un même contexte pour tous, mais certains, c'est que c'est juste pour certains, vont le voir comme étant un défi, mais je demeure zen. Alors que pour d'autres, c'est menaçant et là, ça impacte mon fonctionnement, ça impacte comment je me sens et comment je me perçois en termes de mes capacités pour faire face à cette adversité-là. Okay. Donc c'est ce que cette courbe illustre. C'est dans la courbe, là, si on peut l'afficher, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on veut viser le sommet de la courbe, là, le haut de la courbe. C'est là qu'on est dans l'optimal. On a le niveau de stress qui est le plus efficace, si on veut, hein, qui nous aide à être efficace. Mais dès qu'on dépasse un peu trop, on tombe. Mais il y a quelqu'un qui pose la question. Oui. S'il y a des enseignants qui étaient comme plus fragiles avant la pandémie, qui étaient déjà comme sur le bord de la détresse, on peut comprendre que ça se peut que ça ait eu un effet plus important pour eux parce que ça les a amenés. Oui, on va voir aujourd'hui comment on peut peut-être travailler là-dessus. Hein? Oui, ben en fait, on a fait une étude en fait avec le MUHC. On était impliqués avec toutes des médecins et des infirmières surtout. Alors, on a justement fait un sondage auprès de plusieurs centaines de d'infirmières. On leur a demandé comment ils étaient avant la pandémie et par rapport à la pandémie, effectivement, comme la personne relate, il y a un parallèle à faire parce qu'on est dans une relation d'aide entre enseignants comme une infirmière, finalement, mais juste apporter, avoir déjà manifesté une fatigue, une certaine vulnérabilité avant la pandémie, semblait avoir vu leur situation s'accentuer davantage, plus perturbante en raison de la pandémie. Donc, ça, c'est un fait. Et c'est drôle de parler de ça, mais je sais que d'autres études qui révèlent qu'en fait, que les gens qui avaient vécu des éléments entourants, donc troubles de santé mentale avant la pandémie, qu'au fait, vivaient moins de détresse en cause de la pandémie. Donc, on a vraiment des résultats partagés, là. Mais je pense que qu'est-ce que la personne relate, c'est un fait. On l'a observé, non pas chez les enseignants en termes de statistiques, mais on l'a vu chez d'autres professionnels qui travaillent dans le contexte public actuellement. Avant de poursuivre, il y a quelqu'un qui nous demande comment accéder à la présentation. On rappelle qu'il faut aller sur le lien monurl.ca/JNE-Resilience. Donc, tout en un mot, pas d'accent, en minuscule, JNE-Resilience. Donc, on écrit ça, puis ça vous donne accès à notre présentation que vous voyez affichée là. Ça m'amène à aller parler de la prochaine diapo, dans le fond, qui est celle-ci. Dans le fond, toi, ce que tu dis, c'est une question de perspective. C'est une question de perspective. Donc, au final, la résilience, c'est ça. C'est que, finalement, on ne change pas nécessairement la situation qui vient activer la réaction émotionnelle ou la réaction comportementale. Actuellement, la pandémie, on a très peu de contrôle là-dessus. On va en parler dans quelques diapos. Donc, ce n'est pas que je change la situation, mais je change ma perspective de la situation. Et ça, c'est Lazarus et Hall qui ont aussi parlé beaucoup de ça. Le modèle est un peu complexe, donc on ne l'a pas présenté aujourd'hui, mais sensiblement, ça se résume par cette diapo ici. Donc, en fait, la situation, elle est comme elle est, et souvent, on a peu de contrôle sur la situation. Toutefois, là où j'ai un contrôle, c'est comment je perçois la situation. Mm-hmm. Et si on revient à la courbe, si je perçois la situation comme étant « OK, c'est difficile, mais… » C'est un défi. On va y arriver. C'est pas facile, mais on va y arriver. Donc, finalement... Si on peut afficher la courbe, c'est ça. C'est exactement, un défi, mais versus, je vais y arriver. Oui. Versus, là, on fait un changement. On change toutes les choses en 24 heures. Donc, là, une vraie menace. Donc, là, finalement, ça va plus. Mais...
Il y a quelqu'un qui disait, dans le fond, être dans le sommet, ça, c'est quand on veut être dans la performance. Mais si on veut se reposer, la zone de défi, après, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'optimal. Bien, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Et quand tu en parlais, justement, mais je me suis dit, on va lui revenir avec la prochaine diapo, mais c'est justement ça. Donc, en fait, oui, optimalement. Donc, exemple, si je suis un athlète, donc je présentais à Coaching Canada la semaine passée, j'utilisais la même courbe. Si je suis, dans la course, là, genre, on a dit, bon, la course est partie. Je veux être dans la zone optimale. Si j'ai un examen à faire, je veux être dans la zone optimale. Comme là, actuellement, ce que l'on fait, on veut être dans la zone optimale pour vraiment être disponible, engagé, réceptif aux commentaires, ainsi de suite. Sauf qu'évidemment, entre vous et moi, après la présentation à 11h, on va retomber dans une zone beaucoup plus confortable où on va se donner le droit à être un peu moins performant, et ça, c'est correct. Et c'est ça qu'il faut faire aussi. Puis on va en parler de prendre soin de soi. On va revenir sur ce concept de courbe-là. Donc, la personne, elle est juste dans ses propos. Exact. Donc, la question, si j'ai l'épée de Damoclès qui est au-dessus de moi qui me dit, je pourrais basculer en 24 heures. Donc, je peux avoir, il y a principalement deux perspectives, mais il y a toute une zone de gris en tout ça, là, mais je veux dire, il y a principalement deux manières de l'entrevoir, là, c'est ça que tu disais. Là, donc. Bien, c'est ça. Puis, il y a un exercice typique, en fait, que je fais souvent quand j'enseigne des formations complètes de journée là, sur la résilience, et c'est un peu de s'imaginer donc la porte fermée. Et c'est un peu ça ici, c'est qu'une nouvelle opportunité, c'est comme si, bon, ça y est, on ferme la porte sur ce qu'on faisait avant puis on était à l'aise avec. Mais l'aspect de résilience, c'est de dire, bien, écoutez, j'étais pas prête à ça, j'avais pas envisagé que ça serait ça, mais je demeure engagée, puis, hey, on sait jamais, c'est possible que finalement, ça soit mieux. Le cerveau résilient va percevoir, va être ouvert, et c'est quelque chose de concret, là. C'est actif, c'est pas juste ça m'arrive comme ça sans effort. C'est un effort cognitif que l'on fait de se dire, tu sais quoi, bien, c'est une porte qui se referme, donc là, on change, on bascule les choses rapidement, mais tu sais quoi, c'est possible qu'il y ait quelque chose de meilleur en ressource. Je demeure ouvert. Je ne suis pas dans le déni, là. Je suis juste comme, écoute, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais je demeure optimiste que c'est possible que ça soit même mieux. C'est même ça l'idée aussi. Le cerveau résilient va le percevoir comme c'est ça. C'est pour ça, dans le graphique là, qu'on a là, dans le schéma qu'on a là. Le cerveau critique, lui, il va automatiquement envisager le pire. Il va pas vouloir, genre, fermer. Il va se mettre le pied dans la porte pour pas qu'elle se referme. Puis il va pas se tourner, finalement, vers cette opportunité-là qui risque de peut-être engendrer quelque chose de meilleur. Et c'est donc, ce si qui engendre clairement de l'anxiété. Le schéma, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Qu'on voit ce que tu veux dire. Oui, c'est ça, exact. Vas-y, Tina. Oui, donc c'est tout ce que j'ai. Donc, finalement, c'est une question de perspective. Et j'ai le contrôle par différentes stratégies qu'on va discuter aujourd'hui. J'ai un contrôle sur la façon de modifier mon point de mire. Exactement. Fait que si je vais avec ça, là, donc ces deux perspectives-là, si on les décrit un peu dans différents contextes, tu nous parlais de cette diapo-là, on peut la laisser un petit peu longtemps, la laisser le bien temps de lire. Bien sûr. Puis, en fait, démontre cette diapo-là, c'est justement ce phénomène-là. Hein. On a une situation identique, donc habileté. Donc, le cerveau résilient par rapport à les habiletés, il va jamais être fermé. Il va jamais arrêter un plateau où, bon ça y est, c'est bien. Donc, ce concept-là qu'il y a toujours quelque chose comme, écoute, tout allait bien, là, pourquoi on change les choses? Bien, il y a un potentiel d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être de la situation, mais peut-être aussi de moi. Je vais apprendre que finalement, je suis plus tolérant que je pensais au changement. Donc, il y a toujours cette ouverture, un potentiel d'apprendre quelque chose de nouveau que j'avais même moi pas envisagé. Donc, c'était peut-être pas conscient, ça arrive accidentellement, puis c'est un peu ça avec la pandémie. Ce que je parle beaucoup, c'est que la pandémie, personne n'aurait voulu que ça arrive, mais pour plusieurs, et on a fait des sondages auprès de familles, pour plusieurs, la pandémie n'a pas été complètement négative. Elle leur a appris, en fait, l'importance de, comme genre, ralentir, de ne pas toujours aller rouler à 100 km/h, par exemple. Donc, c'est une porte, d'une perspective de dire, bon, écoutez, j'avais pas prévu ça, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais elle m'a donné l'opportunité, cette pandémie-là, d'apprendre quelque chose d'autre de moi-même. Alors que le cerveau critique, lui, il va toujours rester dans le pourquoi. On était bien comme on était. Puis, genre, il n'y a rien qu'on puisse faire. Tu sais, je suis née comme ça. Tu sais, je veux dire, moi, il n'y a pas rien que je puisse faire pour apprendre. Vraiment, un cerveau qui est beaucoup plus, qui n'est pas axé sur la croissance, qui est beaucoup plus, genre, OK, dans l'impuissance. Il n'y a rien que je puisse faire. C'est vraiment ça. Puis on sait, par rapport à la santé mentale, le sentiment d'impuissance est vraiment central à la dépression, central aux troubles anxieux. Donc, on voit là, le lien qui s'installe avec le fait d'être moins... de créer une vulnérabilité par rapport aux troubles de santé mentale.
Même chose avec l'obstacle, j'ai parlé brièvement parce qu'on l'a déjà vu dans le graphique de Yox et Dobson. On a vu que finalement, une occasion de croissance, c'est un défi. Donc oui, il y a un obstacle qui se présente, mais j'ai l'opportunité donc d'apprendre. Donc, et même que j'anticipe. Donc, dans le fond, la personne qui est résiliente est comme, mais voyons, je sais, là, à un moment donné, il va arriver quelque chose. Puis quand ça arrivera, ben je serai prêt. C'est vraiment la perspective qu'entretient donc le cerveau résilient par rapport à un obstacle. Alors que le cerveau, lui, qui est plus critique, il fait tout pour éviter. Il est axé sur tous les moyens qu'il ne possède pas. Donc, il maximise le négatif, il minimise le positif. Quand on parle de filtre, là, ça en est une des distorsions cognitives. Je mets beaucoup d'accent d'emphase sur le négatif, puis je fais abstraction du positif. Et donc, ce qui motive aussi l'évitement. Hein. À long terme, on le voit que chez les troubles anxieux, on évite parce que la menace est trop intense. Alors, ce que je fais, je l'évite. Donc, ça aussi, ça l'explique aussi. Là, c'est un rationnel, un mode explicatif, si on veut, aux troubles anxieux. Exactement. OK. Donc, l'effort. Oui, l'effort. Bon, oui, c'est ça. Donc, l'effort, c'est en fait, bon, ah non, il faut que je fasse quelque chose de nouveau. On était bien, là, on était en mode cruising, là. Mm-hmm. Pourquoi, là, on doit changer, on bascule tout en 24 heures? On a sûrement prêt d'aller, ça allait bien, là. Exactement. Donc, alors que le cerveau, lui, comment il va le voir? Il va dire, écoute, j'ai pas de contrôle là-dessus, c'est la direction qui a imposé ça. Par contre, là où j'ai un contrôle, j'ai le contrôle sur le fait que, bon, ben, écoute, essentiellement, là, ça va peut-être juste m'aider davantage, encore comme je disais tout à l'heure, davantage à apprendre que j'ai un potentiel à maîtriser les choses que je ne pensais pas. Et puis, dans le fond, ben justement, pour arriver à devenir plus résilient, ben ça va nécessiter que j'y investisse quelque chose. Tu sais, donc, là, quand on parle d'engagement, c'est un peu ça. Ouais. Hein, je sais que ça va demander des efforts, mais j'ai confiance qu'au final, je vais en retirer quelque chose. Donc, l'effort, elle est perçue comme étant nécessaire, mais aussi qu'elle va aboutir à quelque chose de favorable, donc dans l'aspect de défi. Alors que lui, le cerveau critique, il va le voir comme étant, bien là, pourquoi c'est inutile, pourquoi on fait ça? Puis genre, finalement, c'est un peu aussi le rationnel de la procrastination, hein, finalement, comme j'attends, puis là, hop, quand je sais que là, au final, c'est dû, là, il faut qu'on change, le ministère a imposé ça. Donc là, dernière minute, on s'active. Mais ça l'engendre beaucoup plus de stress, vous le savez, hein, parce que quand on fait les choses à la dernière minute, on est beaucoup plus stressé que si on aurait planifié et on aurait eu un processus continu vers l'accomplissement de quelque chose. Donc, ça, encore une fois, on peut comprendre par cet aspect-là, par ce point-là, comment on tombe dans le détresse versus dans un stress qui m'engage à continuellement réussir et entamer une tâche ou un processus. Okay. Par rapport à l'évaluation maintenant, tu dis c'est un peu la même chose. Oui, donc moi je le vois beaucoup, on le voit sûrement si on est des directeurs ou qu'on est des gens en mode où on supervise des équipes, on le voit. Moi chez mes supervisés, je le vois, certains qui sont plus dans le mode résilient versus critique, c'est que le cerveau résilient, il se donne le droit à l'erreur, il est autocompatissant, donc chaque évaluation donne l'opportunité d'en apprendre davantage sur soi dans le but de cibler ça comme piste d'amélioration, de croissance. Donc, c'est perçu vraiment agréablement ou dans l'acceptation. Donc, ce n'est pas une menace que mon superviseur m'évalue. Au contraire, c'est une opportunité que j'ai de recevoir du feedback constructif pour que je m'améliore davantage. Alors que le cerveau critique, il va le prendre personnel, il va être sur la défensive. Et là, on sait que ces deux modes-là, à la fois être défensif et de prendre les choses personnelles, je me referme. Hein? Donc là, c'est en quelque sorte un obstacle, une embrèche à la capacité ou au potentiel de cette personne-là de croître, de grandir. Reflète un peu le cadenas. Je suis fixe, je suis barré, je suis paralysé dans mon processus d'amélioration et de croissance personnelle. OK. Donc, c'est la même chose un peu avec l'échec, les revers. On est plus facilement négatif. On voit ça plus comme quelque chose de... qui est fatidique, qui nous tombe dessus, alors que quand on est plus dans la résilience, bien, on voit ça comme une opportunité, comme on disait, une occasion de s'améliorer, comme tu dis depuis tout à l'heure. On va avancer tout de suite à l'élément suivant, parce qu'on parle du cerveau critique, du cerveau résilient depuis tout à l'heure. Puis je trouve que tu avais une illustration de ça qui était très intéressante. Si on peut afficher la prochaine diapo, c'est vraiment intéressant. Tu peux nous parler un peu des caractéristiques. Quand on dit cerveau résilient, cerveau critique,
C'est quoi ça, les caractéristiques? Si on essaie de caractériser là, le cerveau résilient, il y a quelqu'un qui avait une question sur les cerveaux résilients, cerveau critique, et on y reviendra à sa question. Je ne l'oublie pas. Je vais juste dire que je ne l'oublie pas, mais je vais y revenir. Mais je voudrais que tu nous parles de ça d'abord. C'est quoi ces caractéristiques du cerveau résilient? Oui. Donc, le cerveau résilient, juste pour dire, OK, moi, je suis thérapeute, donc je suis psychologue clinicienne, et même si je connais tout ce que je suis en train de vous enseigner, donc, le cerveau résilient, ce n'est pas un état permanent. Donc, on n'est Ah, pas oui. soit toujours résilient ou catégoriquement critique, OK? On y va avec des niveaux. Et c'est pour ça qu'on va parler tout à l'heure de bien-être de soi ou prendre soin de soi. Je vais revenir pourquoi ça se rattache à ça, mais aussi l'aspect de contrôle. Donc, il y a des éléments qui favorisent que j'ai recours ou non au cerveau résilient versus le cerveau critique. Donc, je vous dirais qu'il m'arrive souvent, moi aussi, de tomber dans le cerveau critique. D'où l'importance, donc, de faire preuve d'acceptation de soi et d'autocompassion pour que, genre, quand je tombe dans l'erreur, si je me donne le droit à l'erreur et au recommencement, dans le cas du cerveau résilient, c'est que je peux toujours retourner vers mon cerveau résilient. Donc, vraiment important là, de dire, bah, de ne pas se percevoir que, ah, moi, je suis critique, là, je vois les termes qui sont là, moi, je ne suis pas résilient. Donc, ça y est, moi, je suis critique, je suis voué à l'échec. Non. OK, donc, c'est pas c'est noir plastique, et blanc, là. C'est mobile, ça fluctue. Exact. Si je suis fatiguée, donc, si j'ai moins bien dormi, si je vous assure que quand j'étais maman d'un nouveau bébé, j'étais beaucoup moins résiliente avec un manque de sommeil. C'est circonstanciel. Il y a l'environnement qui englobe ça. Hein. Donc, on va parler tout à l'heure du bien-être de ça, mais je voulais juste m'assurer de préciser ça pour que les gens demeurent engagés parce que s'ils voient quelque chose qui leur est dissonant, qui ne se ferme pas finalement. Donc, c'est important qu'on ne conçoive pas qu'il y a des gens qui ont un cerveau critique, fait que les autres, il n'y a rien à faire avec eux parce que c'est des gens. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça. Là. Il n'y a pas des gens résilients et des gens critiques. Où il n'y a pas des cerveaux avec pas des gens qui ont un cerveau résilient. On peut travailler toujours pour revenir au cerveau résilient. C'est toujours possible. Absolument. Ah. Quelqu'un posait la question sur qu'est-ce qu'on fait avec des gens qui sont négatifs. Donc, effectivement, il y a des gens qui sont beaucoup plus, qui activent beaucoup plus, qui ont plus recours au cerveau critique que l'inverse. On y reviendra sur le prochain diapo parce qu'on l'aborde, ce terme-là. Oui, c'est mais ça. L'idée ici, c'est que le cerveau résilient, il demeure optimiste. Optimiste. Donc, par rapport à l'échec, il est pas, il suit pas, il n'est pas négatif. Il se dit, bon, on accepte l'obstacle, on accepte même l'échec. Et on s'ouvre vers la possibilité de quelque chose de mieux. Donc, on demeure optimiste. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça nous garde énergétique. On a plus d'énergie, hein, on est plus propre. On va mieux réagir à s'activer au moment nécessaire puis se retrouver au point optimal. On est adaptatif, hein, ça veut donc dire que oui, bon, la porte se referme, en 24 heures, on change quelque chose. Bien, c'est pas grave, je m'ajuste, j'accepte, je m'ajuste à la réalité, à ce qui m'est imposé, sur lequel j'ai pas de contrôle. Et là, ce qui fait en sorte que, bon, finalement, ça crée une ouverture. Et là, quand on parle avec les autres, bien, non seulement moi, je vais le ressentir, mais les autres le ressentent aussi. C'est une ouverture qui est perçue par les autres. C'est ce qui fait qu'on est des gens beaucoup plus engagés et envers qui les gens vont vouloir s'engager aussi et travailler avec parce qu'on crée ce sentiment-là que bon, de sécurité pour d'autres que peut-être qu'ils seraient moins. Donc, c'est un bénéfice pour soi, mais un bénéfice catalyseur et facteur de changement quand on est en société, quand on est au sein d'une communauté aussi, d'une organisation, on est des gens envers lesquels les gens vont davantage graviter parce qu'on est cette source d'optimisme et de résilience là. Tout à fait, absolument. Écoute, avant de continuer, Marie-Soleil, tu veux nous rappeler le lien, j'ai vu que tu l'as ajouté à la présentation, tu peux nous rappeler le lien de la présentation d'aujourd'hui pour les gens qui veulent l'avoir, il y a des gens qui l'ont demandé. Oui, tout à fait. Et aussi une personne qui a mentionné que lorsque vous allez sur la programmation de la journée, en dessous du lien pour accéder à notre vidéo, vous avez le lien qui clique aussi qui mène vers notre présentation. Ah, hyper bien, là. Oui, encore exactement. Mieux. Et sinon, ben, en faisant le monurl.ca/JNE résilience, pas d'accent, vous allez avoir accès aussi à notre présentation. Merci beaucoup, Marie-Soleil, de ces précisions. Merci, alors, maintenant, Kina, on va aller voir maintenant, on a parlé du cerveau résilient, mais le cerveau critique, c'est quoi ses caractéristiques? Puis là, on vous le présente pas pour que ça vous fasse peur, mais au contraire, vous savez, dans le cerveau résilient, on disait conscient. Donc, l'aspect de métacognition, l'aspect de pleine conscience. Donc, si je suis consciente de qu'est-ce qui est reflète ou qu'est-ce qui est caractéristique d'un cerveau résilient versus de l'inverse, bien, ça devient des points de repère. Donc, je peux utiliser avec cette conscience-là
reconnaître, ah là, je suis plus en mode critique, là. OK, qu'est-ce que je peux faire avec mon filtre? Qu'est-ce que je peux faire pour passer du mode négatif vers un mode... Cette conscience-là qui est caractéristique va nous amener aussi à percevoir que, dans le fond, c'est ces autres aspects-là, donc l'aspect d'être défaitiste, hein, on voit un défi comme une menace. Ça va pas nous encourager, ça va pas nous engager, ça va faire ça qu'on va déjà envisager l'échec, hein? On va devenir frustré parce que, pourquoi? Parce que les gens, on veut pas, on n'accepte pas souvent, hein, d'être petit que l'obstacle ou l'adversité. Donc, ça crée une certaine frustration, une confusion, qui fait qu'on devient différent. Quand on parlait d'évitement, ben, pourquoi on évite? Parce que quand on évite, on se désengage. Donc, oui, effectivement, on enlève l'aspect négatif, mais ce qui fait, c'est que souvent, quand je parle avec des gens, puis vous devez être conscient, si je me retire des aspects négatifs, souvent, je vais aussi bloquer l'aspect positif. Donc, je me bloque des émotions négatives, je me bloque aussi des émotions différentes, je deviens déconnectée. Et là, finalement, avec le temps, parce que souvent aussi, on regarde, je retire des autres, j'ai pas accès aux autres, bien, je deviens aussi dépassée parce que je délègue pas, je me sers pas donc des forces des autres pour m'aider. Finalement, je peux aussi devenir accusateur. Je blâme les autres, je blâme mon sort sur les autres. Donc, c'est un moyen de défense aussi, hein, au lieu de... C'est ça. Donc, ce que tu dis, dans le fond, c'est que quand on voit, on observe ces comportements-là chez des gens, dans le fond, c'est que c'est des gens qui vivent, qui ressentent des choses, puis qui se protègent. Dans le fond, c'est des réflexes de protection, on pourrait dire ça. C'est ça. Donc, je pense qu'à prime abord, là, la question que quelqu'un posait, qu'est-ce que je suis négatif? Je pense que même moi, quelqu'un qui est négatif, on a comme... Puis tout à l'heure, je présentais, puis quelqu'un fait un... pas nécessaire et dérogatoire, parce que j'avais fait un oubli. Et là, la tendance, c'est comme là, sur le coup, j'avais le goût de répondre sur la défensive, mais là, je me suis rappelée, j'ai pris un recul et je me suis dit non, j'ai fait une erreur, j'ai fait un oubli, je me donne le droit à l'erreur. Donc, l'idée, c'est que quand on est en mode résilience, on est beaucoup moins propice à agir, nous, par le même type de comportement. Donc, des fois, les gens qui sont négatifs, on a tendance à vouloir répondre de façon négative. Rappeler qu'on devient, on peut devenir modèle de comportement adapté par notre réponse. Et notre réponse, souvent mieux adaptée et résiliente, va peut-être pas dans l'immédiat améliorer le sort de ces gens-là, mais si on le prend d'un point de vue que souvent, ce n'est pas des gens mal intentionnés, mais c'est des gens mal outillés. Oui, ou qui vivent, comme on disait tantôt, des détresses. Mais tu sais, c'est spécial parce que quand on est avec des élèves, hein, on a tendance à plus à regarder, à voir ça, à les voir comme, il y a une vulnérabilité, il y a quelque chose qui ne va pas, on se soucie d'eux. Alors que quand on est devant un adulte, des fois, on a tendance à dire, ben là, c'est un adulte, il devrait se réguler, là, il devrait être à son affaire. Alors que si on change notre façon de les voir, ça peut être une poignée pour, juste déjà, on les voit différemment. On est moins en réaction parce qu'on voit qu'ils ont peut-être, ils sont en train d'activer des mécanismes de défense. Donc, ils ont des vulnérabilités. On peut les voir comme ça. Exactement. Donc, ça fait en sorte que finalement, ça génère une empathie. Hein. On sait qu'empathie, c'est un comportement essentiel à pouvoir aller vraiment travailler de façon collaborative. Puis surtout, actuellement, avec ce qui se passe, qui sait comment on a besoin de manifester l'autre, parce qu'on vit tous des choses différentes pour les vivre à différents niveaux. D'ailleurs, quelqu'un mentionnait, tu sais, genre, si on vit quelque chose de difficile au plan personnel, bien, c'est certainement que ça va avoir un impact. On va parler dans nos verres tout à l'heure, là. C'est certain que ça va avoir un impact professionnellement aussi. Donc, c'est pour toujours poser la question que ce que je vois au plan professionnel, est-ce qu'il se cache? Souvent, on présente aux enfants qui travaillent avec eux l'iceberg. Tu sais, en surface, on voit l'aspect plus critique. Mais qu'est-ce qui se cache en dessous? Puis souvent, ce qui se cache en dessous, la majeure partie de l'iceberg, c'est des sentiments comme d'humiliation, d'être surpassé par les événements, donc de vulnérabilité, de dépression, de déprime. Et là, quand on fait le focus là-dessus, dans le fond, c'est que ça nous aide aussi à ne pas être positif envers ces gens-là, mais au contraire, de devenir un peu comme de les contaminer, d'être contagieux, mais contagieux avec des éléments qui sont plus positifs, qui...
Bien, écoutez, ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va vous, on va vous solliciter, hein, parce que on vient de réfléchir un peu sur c'est quoi cerveau critique, cerveau résilient. On va vous demander, avez-vous des exemples à nous donner à l'aide d'un mot, à partir d'un mot, essayez d'utiliser un seul mot. Puis si on veut afficher là, le Menti, on va utiliser le même Menti que tout à l'heure, donc le même sondage. Si vous n'avez pas quitté votre page, vous avez vu la question a changé maintenant. Puis sinon, si vous l'avez quitté, bien, vous retournez sur menti.com, donc www. menti.com et vous utilisez le code 22 70 18 et 8 et vous allez répondre à notre question. Nommez un exemple de comportement résilient ou critique que vous avez adopté en réponse à la pandémie. Alors, je vous rappelle, allez sur menti.com, vous entrez le code 22 70 18 et 8. Alors, tantôt, là, on va y revenir, on va revenir à vos réponses. Hein. Alors, je reviens à notre élément, on va revenir sur vos réponses à vos questions tout à l'heure. Alors, on va aller peut-être parler un peu, là, depuis tout à l'heure, tu parles du cerveau résilient, du cerveau résilient, du cerveau critique, mais pourtant, les gens, là, quand les gens nous parlent des émotions, là, ils ne parlent pas du cerveau. Les gens ils disent c'est dans le cœur, c'est ici que ça se passe. Tu sais. On a souvent l'impression, alors que toi, depuis tout à l'heure, que tu nous parles du cerveau. Le cerveau, on est porté à croire que c'est le rationnel qui se passe là-dedans. Ça se passe comment pour vrai? Là? Pourquoi tu parles du cerveau, effectivement? En fait, le centre des émotions dans le cerveau est composé, dans le fond, donc de l'hypothalamus, la glande pituitaire et de l'amygdale. Donc, on appelle ça en anglais ou en français l'HXPA. Donc, c'est vraiment l'axe où tout ce qui est émotionnel et tout nerveux au plan, donc tout ce qui est émotion, a lieu là, au centre du cerveau. Et on l'appelle, des émotions-là, le système limbique. Le donc, système c'est vraiment, limbique, si on peut afficher la présentation, ouais. On va pouvoir l'illustrer. Donc, le système limbique, c'est vraiment donc, le cerveau des émotions. Okay. Ce qui est important de voir ici, c'est que, bon, il fait partie intégrale du cerveau, donc de l'organe, de la neuroanatomie. Mais si on regarde ici, on voit que donc, tout le système limbique, il est en fait superposé par le cortex, le néocortex, qui est vraiment toutes les sphères, donc de capacité de résoudre des problèmes complexes, tout l'aspect de raisonnement au plan rationnel. Exemple, si je vous demandais, par exemple, juste après avoir presque vécu ou évité un accident, et que je vous demande de faire, mettons, 5 fois 2 plus 3, bien, probablement, même si c'est facile pour vous maintenant, si je vous demandais de le faire, en contexte de panique, on pourrait difficilement, là, on disait des problèmes de pourquoi tu me poses cette question-là, puis non, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Mais qu'est-ce qui se produit? Le système limbique, les émotions sont hyperactivées, et ce qui fait en sorte que, en quelque sorte, c'est pas comme un blocage à 100%, mais ça cause une interférence au passage de l'influx synaptique, donc comment on réfléchit. Donc, quand je demande à mon cerveau d'aller faire la computation, d'aller faire la mathématique, donc que je vous ai énuméré, ben le passage, il est interféré, il est bloqué comme un filtre, comme un filet par le centre émotif qui est hyperactivé. Donc, ce qui fait en sorte que, par exemple, j'ai souvent des professeurs qui me disent, quand on fait un focus group, comme vous le savez, qui nous disent, ben moi, j'ai des enfants qui m'arrivent le matin, ils ne sont pas disponibles, ils ne sont pas disponibles pour apprendre. Il s'est passé des choses à la maison, il se passe des choses actuellement. Moi, ce qu'il est en train de nous dire, le professeur, là, c'est que le système limbique est tellement activé chez cet enfant-là qu'il n'est pas disponible, engagé pour recevoir. Donc, l'idée qu'il faut désamorcer toute l'action qui est au niveau de ce centre émotif-là pour finalement avoir accès à la capacité de l'enfant à apprendre. C'est pour ça que quand on a un enfant qui fait une crise, finalement, tous les bons psychologues, donc pédopsychologues, vont vous dire bien, il faut attendre que l'enfant soit dans un état calme. Donc, on désactive par le contact physique, par le soulagement, par le réconfortement. Donc, désamorcer la crise de l'enfant pour après avoir accès à son rationnel, pour discuter de la situation avec eux. Dans le contexte scolaire, c'est la même chose. Hein? Chez votre conjoint, c'est la même chose. On a une question intéressante, mais avant de revenir à la question, je veux juste afficher le Menti, parce qu'il y en a qui demandent le code d'accès. Là. Le code d'accès pour répondre au Menti, là, c'est vraiment 22 70 18 8. Je le répète, je l'affiche, on peut l'afficher à l'écran, là, vous allez le voir. Là, donc, vous allez sur menti.com, puis vous allez, le code, c'est le 22 70 18 8.
Donc, 22 70 18 8. On va y revenir dans quelques instants, mais je veux revenir. Il y a quelqu'un qui pose la question. Est-ce que parfois, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ça peut être bénéfique d'utiliser le cerveau critique? Tu sais, des fois, où c'est toujours négatif, où c'est toujours nuisible d'utiliser le cerveau critique? Bien, je vous dirais que c'est vraiment dans des circonstances beaucoup plus... Donc moi, en passant, pour que vous le sachiez, je ne suis jamais dans l'absolu. Fait que la réponse en partant, c'est probablement. OK? Puis je vous dirais, si vous me posez la question dans quel contexte, c'est probablement dans un contexte, par exemple, une personne vit avec quelqu'un de violent, par exemple, mm-hmm. où il y a un danger imminent. Donc, à un moment donné, de se dire, bien, écoute, je demeure engagée, je demeure optimiste, à un moment donné, de se rendre compte que finalement, là, il y a un réel problème dans un contexte comme celui-là, je pense que de se dire que ça ne changera jamais, puis, tu sais, genre, j'en peux plus, je suis comme déconnectée de cette situation-là, à ce moment-là, peut servir, être bénéfique ouais. pour une personne comme ça. Momentanément, en général, ça peut être un moyen pour se protéger, se défendre. Un levier, mais vraiment temporaire. Mais si on reste là-dedans, c'est là que ça peut devenir problématique. Exact. Il y a quelqu'un qui nous disait, si quelqu'un a vécu dans une famille où tout le monde est critique tout le temps, puis que j'ai baigné dans ça, comment je fais pour passer au cerveau résilient? Est-ce possible de faire ça? Absolument. OK, la réponse est oui. Absolument, oui, c'est possible. Donc, c'est qu'il faut voir, en fait, que souvent, justement, moi, j'étudie beaucoup ça, l'aspect d'inter... Donc, souvent, ces concepts de c'est comme à l'inverse donc du cerveau critique, donc du manque de résilience, se perpétue de génération en génération mm-hmm. parce que c'est comme une empreinte. C'est comme si on a pris un et qu'on a mis cette empreinte-là chez la personne. Et là, c'est mm-hmm. que les schémas profonds de la personne, oui, c'est que bien. Au départ, c'est juste des croyances, des propos qui sont entretenus envers moi. À force de les entendre, je finis par croire qu'ils sont vrais. Et les croyances autres, de quelqu'un d'autre sont intériorisées par moi-même et deviennent les miennes. Sauf donc, que ce qu'on fait avec des adultes, en fait, ça se fait en thérapie. Là. Probablement que si c'est comme quelque chose que vous voulez évaluer, mais si c'est quelque chose qui a été chronique dans votre enfance, je vous suggérerais de consulter parce que j'ai traité et aidé plusieurs gens avec des vécus similaires et concrètes qui peuvent être faites pour désamorcer ces empreintes-là. Une des choses qu'on fait, cette personne-là, avait elle-même une empreinte qu'elle n'était pas capable ou elle était défavorisée à quelque chose de nouveau. Par contre, ça prend une passion pour aller genre commencer à changer autre chose. Et définitivement, quand on en TCC, en thérapie cognitive comportementale, on travaille beaucoup mm-hmm. sur les schémas profonds par rapport à soi-même, les autres et le monde. Et oui, on peut faire d'excellents travails et à ce niveau-là, en profondeur, pour justement aider l'individu à passer d'un cerveau critique plus comme genre inné vers un cerveau qui est beaucoup plus résilient. Oui. Il y a une question très intéressante, mais on va y revenir peut-être sur la fin. Si on a du temps, là, il y a quelqu'un qui nous demandait si moi je suis résilient, mais dans mon lieu, il y a beaucoup de gens critiques, mais finalement, je suis menaçant pour eux autres. Ils finissent par me détester parce que. Mais ça, on y reviendra tantôt parce qu'il nous reste peu de temps, il nous reste encore 13 minutes. Puis il y a quelqu'un qui pose une question, puis c'est justement là qu'on s'en va, c'est-à-dire comment? Parce que là, vous avez répondu, c'est super intéressant, il y a plein de réponses. Je vous invite à aller les regarder, les réponses. On a plus ou moins le temps de revenir maintenant. Il y a beaucoup de réponses très, très intéressantes dans ce que vous avez, hein? Puis on voit qu'il y a eu toutes sortes de situations, toutes sortes de réactions. On prendra le temps d'aller le regarder, mais là, en ce moment, il y a trop de contenu, on n'a pas le temps de le regarder. Ça ressemble presque beau, ce nuage-là, d'ailleurs. Ça me fait penser un peu à la forme d'un cerveau. Oui, on dirait un cerveau, c'est vrai. C'est vrai, très, très intéressant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout de suite répondre à la question du comment. OK? Parce que c'est vraiment important. Fait que la prochaine diapo, on va la faire rapidement. Là, juste un portrait rapide. Tina, là, ces éléments-là, on ne les décrit pas. Juste les nommer rapidement, ces éléments-là. On va avoir quelques diapos qui suivent, qui vont aller toucher sur certains des points plus saillants. On ne peut pas faire dans une journée ce qu'on fait dans... Donc, l'idée, c'est que, bon, se concentrer sur les choses que l'on contrôle. OK. Les collègues au travail. La personne qui n'a pas son masque. Moi, influencé par mes comportements, mes réactions. On va les expliquer, on fait juste les nommer, là, Tina, parce qu'on va manquer de temps. Sinon. On fait juste la régulation émotionnelle, on en a déjà parlé sur comment étape. On a une diapo à la toute fin qui parle d'étapes qui peuvent m'aider à davantage être régulé versus impulsivité. L'importance de trouver des personnes qui partagent nos valeurs. OK, de la
l'application. Donc, l'idée, c'est qu'au travail, ce n'est pas toujours possible de choisir avec qui on travaille, mais dont l'importance, ça revient au point que j'ai dit tout à l'heure, personnel, donc de s'entourer de gens qui sont davantage résilients et qui vont être des modèles positifs pour nous et qui, pour nous, Benoît, qui vont accepter et non pas voir notre désir de s'améliorer, de devenir plus résilient comme étant une menace, mais au contraire, vont voir comme étant un. Donc, le positivisme et la résilience, c'est contagieux. Donc, de s'entourer de gens qui partagent les mêmes valeurs. Hygiène de vie, prendre soin de soi, on y revient, on a une diapo juste après l'opérationnel. Et tout ça, à part sociaux aussi, on veut continuer à s'isoler. Et tout ça fait amener à être autonomisé. Donc, plus en moyen. Empowerment, ça veut dire ça. Veut dire ça que avoir du pouvoir d'action sur la situation. J'ai plusieurs stratégies pour m'en sortir et pour l'adversité. C'est ça, la résilience, en fait. Toi, tu dis que dans le fond, c'est de prendre soin de soi pour prendre soin des autres. Exactement. Donc, on monte ici le verre. Je le présente comme ça. En tant qu'intervenant, peu importe notre rôle, on doit prendre la charge émotionnelle de nos enfants avec lesquels on travaille, qui sont traumatisés à l'école. Voir travailler avec des il faut que nous, on fasse un travail sur soi. C'est comme ça, exemple, si j'ai mon verre qui est presque plein, lance quelque chose à un autre élève, bien, c'est propre bien-être. On perd un peu, là. Je vais juste expliquer pendant que ta connexion va se rétablir peut-être. Ah, excuse-moi. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que si le verre, il y a un verre, il faut avoir de la place dans le fond, dans notre verre. Fait qu'il faut travailler à vider notre charge émotive si on veut être capable d'accueillir celle de nos enfants, de nos élèves, de nos collègues, des gens qu'on supervise. Si vous êtes gestionnaire scolaire et que vous accompagnez une équipe école, bien, il faut vous faire de la place dans votre verre de résilience parce que quand vous allez recevoir des gens, des cerveaux critiques, ça risque de faire augmenter votre cerveau critique et vous avez besoin d'avoir une réserve dans le fond de résilience. Donc, c'est ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir des stratégies pour faire de la place dans notre verre de résilience. C'est un peu ça. Tu veux nommer, hein? Absolument. Absolument. Donc si on continue... C'est qu'une petite affaire se passe, comme exemple, change quelque chose, bien, c'est pas grave, j'ai de la place à mon verre, je peux prendre. Ça permet au cerveau résilient... Parce que là, je peux gérer cette impasse. Donc, si on affiche la prochaine image, ça permet au cerveau résilient d'être plus actif. Donc, on a toujours les deux qui sont présents. Mais c'est, donc, ce n'est pas des oppositions, mais c'est des choses qui s'entremêlent. Donc, plus on va faire de place dans notre verre de résilience, si on veut, bien, plus notre cerveau résilient va pouvoir s'activer plus facilement. Donc, concrètement... Pour avoir recours plus aisément. On va aller voir tout de suite des stratégies. Il nous reste 9 minutes avant la fin là, de l'atelier. Puis, une stratégie vraiment intéressante et importante et majeure, c'est celle du contrôle. Hein? Oui. Donc, la pandémie actuelle est accidentelle, mais elle est vraiment nous enseigner ça. Donc, en ce sens que actuellement, les gens, et on l'a vu dans les sondages que l'on a fait, les gens qui ont juste accepté, ils ont contrôle sur leurs actions, sur leurs propres pensées, sur leurs réactions et comment ils se comportent, mais l'état affectif des autres, la pandémie elle-même, les pensées des autres et ce qui nous est imposé professionnel dans le cadre de notre travail, on n'a pas de contrôle. Donc, si on tente toujours de lutter, comment changer les autres, le système. On va se fatiguer. Donc, l'idée, c'est si je me concentre sur ce que je peux faire et devenir un modèle actif. Donc, c'est ce qui compte. C'est sur ça qu'il faut que je me concentre beaucoup plus aidant pour mon bien-être personnel aussi, puis pour ma santé. Le son coupe un petit peu dans ta connexion. Je vais résumer ce que tu viens de dire, là, dans le fond, là, c'est que cette stratégie-là, là, dans le fond, c'est d'être capable de reconnaître qu'il y a des éléments sur lesquels je n'ai pas de contrôle. Puis c'est tout ce qui est facteur extérieur à moi, ces éléments-là, je n'ai pas de contrôle, mais des fois, ils viennent me déranger, puis j'aimerais ça les changer, ces choses-là. Mais comme je ne peux pas les changer, la meilleure stratégie qui va m'aider à rester plus résilient, puis à être mieux, puis à me sentir mieux,
ça va être d'apprendre à reconnaître que ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Puis à partir du moment où je comprends, où je suis conscient, je deviens conscient que je n'ai pas de contrôle, j'apprends à lâcher prise, à me dire, bon, j'arrête de faire ça. Je ne peux pas contrôler l'affectif des autres, mais je peux contrôler mes paroles. Alors, qu'est-ce que je peux dire aux autres? Mais je peux dire des choses aux autres. Si je leur manifeste, par exemple, de l'empathie, je montre que je comprends ce que tu ressens. Donc, je peux avoir un mot, je peux avoir montré de l'empathie. Est-ce que ça peut avoir de l'effet sur l'autre, mais ce n'est pas moi qui va contrôler l'effet que ça a sur l'autre. Sauf que je sais que je peux avoir du contrôle sur ma manière de voir les choses. J'ai une situation de stress, j'avais un objectif, je veux arriver à ça, mais je vois que c'est impossible. Mais je peux décider de changer mon objectif, de me donner un autre objectif, de le modifier ou de le retarder dans le temps. Donc, il y a des éléments sur lesquels, et c'est ce qui est intérieur à moi, c'est les actions que je peux poser, les mots que je peux dire, les pensées. De ça, si tu le dis souvent, c'est vraiment très, très intéressant. Quand on parlait tantôt de s'entraîner à penser, à voir les choses, ta question de perspective tantôt quand tu nommais, comment je décide de voir les choses, est-ce que je décide de les regarder avec, OK, qu'est-ce qu'il y a possible, c'est quoi le possible qui est dans cette situation, ou si je le regarde plutôt sous l'angle de comment ça va m'empêcher, puis qu'est-ce que je vais réaliser. Donc, grosso modo, c'est ça, hein, je ne me trompe pas, je le résume bien. Non, tu le résumes très bien, puis c'est bon, c'est ça que tu as compris. OK, c'est super, merci. On va aller à l'autre stratégie tout de suite, parce que le temps file vraiment rapidement, la pleine conscience. Moi, des fois, j'entendais ça avant, j'avais un peu l'impression que c'était quelque chose d'ésotérique. Peux-tu nous expliquer c'est quoi ça? Parce que c'est documenté, là, c'est scientifique, ça. Absolument. Donc, la pleine conscience, vraiment, quand on disait, là, donc, je suis sur le bord d'agir, par exemple, avec colère ou avec de réagir dans une réaction qui serait moins adaptée, les gens, plus je prends soin de moi, plus j'évacue, plus mon verre est plus vide que trop plein, j'ai davantage cette propension-là à prendre un recul, à m'arrêter et à prendre un recul. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. J'ai dit, OK, là, non, je vais réagir comme ça, mais non, j'arrête, je ne réponds pas de cette façon-là, ce n'est pas mon intention, je prends un recul. Et là, bon, comment je me suis sentie? Donc là, je me suis sentie un petit peu comme biaisée, blessée par le commentaire. Donc, j'identifie l'état émotif que je ressens. Donc, la pleine conscience, c'est ça. C'est pas que je suis concentrée sur l'extérieur, tout est fou, tout est multitasking. Non, je m'arrête et je travaille sur l'aspect métacognitif. Je pense à ce que je pense. Je pense à ce que je ressens. Mm-hmm. Et là, je suis aussi à prendre un recul si je me mets en pleine conscience. Et là, l'idée, c'est que je me dis, bon, là, est-ce que je m'appelle selon le cerveau critique ou le cerveau résilient? Ouais, c'est quoi qui s'active, là? Avec les points qu'on vous a mis, on catégorise. C'est pour ça qu'on les met, c'est comme ça devient des éléments qui m'aident à catégoriser où me situer où je suis. Mm-hmm. Ce qui aide aussi de savoir connaître un peu ses valeurs. Donc, qu'est-ce qui prime pour moi? Est-ce que je veux blesser les gens? Est-ce que c'est ça l'image que je veux donner? Mm-hmm. Est-ce que je vois un sens à réagir comme ça? Non, ça ne serait pas très constructif. Ça va à l'encontre de qui je suis. Quand je suis en pleine conscience, je peux faire ce constat-là. Et ça se fait de plus en plus rapide. Plus on le fait, plus le processus est naturel et programmé. Quelqu'un me posait la question tout à l'heure, est-ce que je peux corriger? Oui, parce que plus on le fait, c'est comme un muscle, la résilience. Plus je le fais, plus ça devient seconde nature. Et là, ça fait en sorte que je me remets en perspective et là, je peux plus aisément me réguler et là, avoir recours au cerveau résilient. Ça peut-tu être aussi utile, là, parce qu'il y a quelqu'un, quand on accompagne des gens là, qui résistent au changement, qui ne veulent pas vivre la situation, ça, là, si moi j'arrive à faire ça, ça peut-tu m'aider à être capable d'accompagner les autres à le faire? Bien, c'est sûr, hein, puis on le comprend comme en tant que thérapeute, confronté à des gens qui sont un peu dans l'immobilité, qui sont stagnants, ils n'avancent pas. C'est frustrant pour un thérapeute. Même chose pour un collègue ou un partenaire. Donc, du moment où on se concentre que moi, je ne peux pas changer les autres, mais je peux me changer moi, c'est là que le changement, en fait, c'est là qu'on peut, on peut croître. Il nous reste 3 minutes, deux autres stratégies. Donc, 1 minute par stratégie, puis on conclut. La suivante, c'est qu'est-ce qui favorise la résilience? Un autre élément? C'est les valeurs. Donc, l'idée, c'est de ne pas voir les choses comme « Ah, oh, j'ai mal agi, j'ai bien agi. » On enlève l'aspect de moralité là-dedans et on se dit « Bon, voici mon intention. Moi, je suis une personne que je veux devenir plus résilient. Je veux devenir plus calme. Je prends mieux soin de moi. L'action que j'ai posée, est-ce qu'elle m'amène plus près de mon objectif ou elle m'en éloigne? » Et dès qu'on enlève l'aspect de moralité, là, ça nous aide aussi à être autocompatissants. Non, je n'ai pas fait quelque chose de mal. J'ai juste fait une action qui m'a éloignée de mon objectif. Ce n'est pas grave, donc, je me corrige. Centré sur soi. J'avance. OK.
Suivant, une autre stratégie, l'autocompassion, qu'est-ce que c'est ça? Ça veut dire quoi, ça? Oui, donc, puis là, quelqu'un parlait de site de ressources. On en a créé un, nous, un site de ressources. On va vous le référer à l'une des dernières diapos. Mais on parle justement sur le site de nos émotions. On parle justement de l'autocompassion. L'importance de se donner droit à l'erreur, de donner le droit à l'erreur aux autres. Souvent, on est plus facile à donner une chance aux autres, mais on est très dur envers soi-même. On se donne peu de chance. Donc, faire preuve d'acceptation de soi envers soi, envers les autres, envers l'adversité aussi, l'accepter l'adversité comme une opportunité de croissance, Tout à et fait. se dire aussi que, genre, ça va passer, ça va pas toujours être comme ça, de se projeter dans un avenir futur que les choses vont être meilleures, d'être optimiste et de demeurer constamment ouvert au fait que dans la présente situation, je continue, si je suis ouvert, j'apprends, je développe ma tolérance et Je suis ma désolé, résistance à il faut l'adversité. que je t'arrête parce qu'il Oui. faut conclure. Oui. Donc, vous avez ces éléments. Il y a quelqu'un qui se demande est-ce que vous avez accès à ça, à la présentation. Vous avez l'adresse en bas et là, vous avez accès à toute notre documentation. Il y a un tableau ici qui vous explique des stratégies à mobiliser. On a le site Nos émotions, donc tout à l'heure, Tina parlait. Et il y a aussi le site de Care Lab où toi tu travailles qui va vous permettre d'accéder à ça. Donc, vous avez tout ça à l'intérieur de notre présentation. Donc, si vous allez sur monurl.ca/résilience, vous allez accéder à notre présentation. Mais en plus de ça, la journée du numérique va mettre à disposition de tout le monde la présentation sous forme vidéo. Donc, sur la chaîne YouTube du ministère de l'Éducation, vous allez avoir cette présentation. Vous pourrez donc la présenter, réfléchir ces éléments-là avec vos collègues dans votre école. Merci, Tina. Merci, Marie-Soleil. Merci, C'était Benoît. Merci, génial. Marie-Soleil. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Oui, vraiment. Merci à vous tous et toutes. On ira regarder vos réponses. Il y avait un dernier sondage dans le Menti. Si vous avez le goût, on va passer à la. Je vais faire afficher la question suivante dans le Menti. À la lumière de la présentation d'aujourd'hui, quels moyens pourriez-vous mettre en place pour faire plus de place dans votre cerveau résilient? Alors, vous êtes invités à l'utiliser, à répondre à cette question-là. Donc, ça nous aidera à voir comment vous avez réinvesti ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Donc, je vous invite à le faire. Si le Menti est encore affiché pour vous, vous pourriez répondre à cette prochaine question. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Tina. Merci, Merci tout le Marie-Soleil. monde. Belle fin de Ça journée. fait Bonne rire. journée du numérique en éducation, tout le monde. Oui, bonne journée à tous. Oui, bonne journée. Au revoir.